Bref, j'ai grandi dans les années 90. Du coup, je rembobinais mes cassettes avec un crayon pour pas user les piles de mon Walkman Auto Reverse Pass Boost. Je regardais mon âge dans le fond des verres du Ralex. 30. J'ai attendu des heures près du téléphone pour qu'on m'appelle. Allô ? Et finalement, c'était pour ma mère. Ouais, je vous la passe. J'ai payé internet à la minute. Pendant toute ma sixième, j'ai fait toutes les répliques de la cité de la peur. Dites, on attend pas votre sœur ? J'avais une banane trois poches avec à l'intérieur ma Game Boy, mes jeux, mes images Panini. Il y avait une quatrième poche secrète dans laquelle j'avais mis mon portefeuille à Scratch. Dans mon portefeuille à Scratch, il y avait une carte téléphonique, une carte de détective Mickey Mystère et un permis de conduire spécimen. Et dans le portefeuille à Scratch, caché dans la poche secrète de ma banane, il y avait une poche secrète. Et dedans, il y avait toute ma fortune, deux billets de 20 francs. J'ai guetté le générique Joyeux anniversaire de Dorothée le jour de mon anniversaire et j'y étais pas. Pendant toute ma cinquième, j'ai fait toutes les répliques de la cité de la peur. Barrez-vous, con de mime là. Je me disais que quand je serais adulte, ma vie serait comme dans Hélène et les garçons. Wow, c'était vraiment une super répète, les copains. Ouais, enfin, heureusement que j'étais là. Mais où sont nos copines? Elles arrivent toujours à la fin de la répète, d'habitude. Bah, c'est bien vrai, je ne te le fais pas dire. Oh non, Kairon a encore baisé nos copines. 1, 2, 3, 4. J'ai connu le monde sans Wikipédia. Ça veut dire quoi, castratrice? Je sais pas. Ok. Il y avait plein de gens à la télé qui faisaient des blagues racistes et à qui on disait rien. Je jouais des heures aux jeux vidéo parce qu'on pouvait pas faire de sauvegarde. Maman, j'ai chez Seb, t'éteins pas la console, hein. Pendant toute ma quatrième, j'ai fait toutes les répliques de la cité de la peur. Attends, excuse, il dit 5, 4, 3, 0, après paf, pastèque. Mon pote Ben m'avait filé des photos de Tiffany Amberton sur disquette. J'allais chez le libraire et j'apprenais les codes de jeux vidéo par cœur. Oh, oh, papa, gauche, droite, BA, start. Et pendant toute ma troisième... Prenez un chewing-gum, Emile. Tu gardes ça? Parce que ça prend de la place. Non, regarde. Je le mets à côté de tes trucs. Bref, j'ai grandi dans les années 90.